Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Kolo Yesu azala favorable na moko oyo akoyeba na kolanda biso na nzela litea oyo lumière na ye etir mananzela moko na moko po na ko éclairer pe ko éloigner milili musika. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit loué po na tango oyo ayebi na kopesa biso tolingi kokoba likolo ya 5e parole ya notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Jusque-là, tout simba nan le Seigneur comme peuple, tout simbi nan yé, loko la nzambete. Mais par la grâce de Dieu, tout koye banako simba yé, loko la nzambé. Je crois, et zana kesho, moko tu kotou na melabiso awa, pourquoi le Seigneur, nan Matthieu 27, tout zomo na fier, 20 mêlés de fier, fiol, mais, na Jean 19 kuna tozomona papesi vinaigre meli. Je crois soki to silici kolobela je soif na aspect a peuple tokosimba vinaigre na fioluana mais vela a fioluana tokosimba yango soki tolobela yango to silici yango to simbisi koyo aspect ya Christ est le cola, Nzambe, Yemoko à la croix. Oyo, Azor, bah, j'ai soif. Ok. Que le Seigneur soit loué. Toujours continuer. Thème Nabiso, j'ai soif. Tout bon délit parce que capacité de Seigneur, ce que tu pas naïe, Nzambe. Merci Seigneur, le Dieu de tout esprit, le Dieu des prédicateurs. Domitique Nassalobo, qu'on a eu, utilise-nous pour ta gloire, pour édifier ton peuple. Laisse que la gloire te revienne dans la prédication d'aujourd'hui. Toi qui t'aïe, matatoli, moyen, monana. Bénis ce temps, que ta grâce, ta puissance nous accompagne. Accorde la solution. Nous sommes tous les gens qui ont été en Oyo. Pesa une solution. Guérir les malades. Fungola bikuke. Bunde la peuple. Pesa une longa. Nous avons été en Oyo. Au nom de Jésus. Amen. Tous Jean chapitre 19, verset 28. Tous un livre à Jean chapitre 19. Verset 28, tout en guise. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie, j'ai soif. Ok. Tout à l'issa qui, j'ai soif. Ah, tout ça, le bela. Jésus, le cola peuple. Tout aussi, m'baye, le cola peuple. Ou le baki, j'ai soif. Donc, il y a qui n'a moukanda y a psaume. Chapitre 42, verset 1 à 2, Bilobi, au chef des chants. Cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Tout ce total, ça qui est loco, dans l'introduction à Bisso, il y a j'ai soif comme le peuple. Total, ça qui maï au peuple bandek ou luka, loco l'anzambe. C'est pour dire qu'après le péché, l'homme avait perdu Dieu. L'homme avait besoin de Dieu. On est là qui na introduction et j'ai soif. Tu es qui ko simba mukolo ya ki na kolanda na séance ami balé et j'ai soif. Tu es qui ko simba Matthieu chapitre 5 verset 6. Et les ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Tu es kota lisaké na ancienne alliance après les péchés d'Adam. C'est l'injustice qui régnait. L'injustice n'était le maki. L'ennemi s'était levé avec son injustice. Pour na konyo ko la moutou, pour na ko sa la moutou mabe. Alors, nos esprits criés avaient besoin, avaient soif du sali. Il dit mon abisso. Et là qui n'a pas ça, ya sali. Ok. Tango zomona, moutou ne zotou na ma. Qui est digne d'ouvrir des livres et de rompre ces sept sceaux. Moutoumouza qui n'a l'icoloté, n'a mabelété, n'a sé à mabelé, et j'en pleurais. Et j'en pleurais beaucoup. Koulé la j'en wana, et zo la kisa, koulé la ya l'humanité. Mobimba, ouyo, et zala qui n'a besoin, il y a justice. Ouyo, zala qui n'a soif à justice parce que, tant que j'en a j'en, azo lela,
parce que mutu azalaki digne ya kufungula buku azalaki te, mutu azalaki digne pona ko racheter azalaki te. Voilà pourquoi Jean pleurait. Moni Jean aza kolela tozolo bake kolela ya Jean oyo ibanda banda kaka l'homme azalaki chassé Neden. L'homme après avoir péché tangu nzamba zo bengana e musika elongi na nzambe mutabanda ki déjà kolela. C'est pour dire que l'esprit de l'homme avait besoin de Dieu, parce que Bible dit que comme une biche soupire auprès d'eau. C'est pour dire que ni amo bengi biche po azala na vie po a vivre il faut maezala aluka kama elinga mai mingi mais ce qui maeza te c'était danger pour lui, c'est la mort. Ce que tous on dit maquia quand nous étions chassés nos esprits et bandai kolela. Oui, tu n'as pas sans zambé, bien sûr. On a toujours là une aspect libosso. Mais toujours tel sera que l'homme est pleuré. L'homme avait besoin de la justice parce que tant que nous allons chasser, automatiquement, directement, les ténèbres n'ont qu'il colo ya mutu. Diable n'a injustice naé. A régné qu'il colo ya mutu. Voilà pourquoi l'humanité pleurait. L'humanité avait soif de la justice. Ah, quand je dis l'humanité, ici, je parle de tous les élus de Dieu déchus en Adam, que ce soit en Israël, que ce soit parmi nous, les nations. Oui, tous les élus de Dieu déchus en Adam, tous ceux qui n'ont pas la justice en Zambé, nos esprits cherchaient la justice auprès de Dieu, nos esprits plairaient afin que Zambé aille à la justice. Gloire à Dieu, à la croix, Jésus Salemaki. Il y a encore remarqué. Banda ke Goliath atelemaki na mabele ya soko oyezo ko appartenir na Juda. Soko tali na mukanda ya Samuel chapitre 17 verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Il appartient à Juda, il campait entre Soko et Azek à Éphèse d'Amim. Et si ka oyo ba Philistin ba sangani na armée na bango ba bien, ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Donc mabele o bango ba ki ko vanda likolo nango pour dominer ba tia ka na bango. Ezalaki mabele na bango te. C'était la terre de Juda, cela appartient à Israël. Mais to moni awa une armée étrangère et qu'on s'imposer place wana et qu'on campe place wana pour combattre le peuple. C'est déjà l'injustice ce qui se passe ici, parce que cette terre où sika Goliath na armée nae bayaki ko campe ezalaki ya bangote, ça appartenait à Israël, mais bango bayaki ko mata place wana pour combattre la maison d'Israël. Or cette terre appartenait à Israël, ça c'est déjà l'injustice. Le fait il y a aucun de quoi s'établir na mabele ya mutu mususu o eza ya yote okyo tie base na yo place wana, c'est déjà l'injustice. Parce que aujourd'hui okoza na parcelle eza na ndelo za na katikati wana. C'est comme je donne l'exemple entre deux pays, na pe exemple entre deux pays oyo ba kangami, soit na pe exemple lokola Angola si vous pouvez bolimbisa. En tout cas, s'il vous plaît, bolimbisa, je demande, en tout cas, je demande beaucoup de pardon. Nazo pe s'exemple. Nazo pe s'exemple, rien à voir avec ma politique. Ne pe s'exemple, lokola Luanda, soit Angola, na RDC. Toza ya okangama. Exemple, armée na biso ya RDC, elongwe, ekoti soit na soyo, wezaka na Angola, eloko wazaka déjà injustice. Na miso anzambe, wazaka déjà injustice. Et pour ça, la maté. C'est ce que les Philistins avaient fait. Na territoire à Israël, bango ba koti, ba campé, na mabele wana. Ça, c'était déjà l'injustice. Mais vous remarquez que pendant qu'ils étaient là, na Israël, loyembo ezala kite. Moni, loyembo ezala kite. Mais, tindenge bazala ki wana, bazala ki tindenge Israël ezala ki wana, Israël ezala ki na besoin ya justice en Zambe. La justice de Dieu, oh Israël, abanda koulouke ezala ki nini. La justice de Dieu que Israël cherchait, et cela qui est, Nzambe, un, a boumé la bango na nou Goliath, ou a longé la bango Goliath, et puis a libéré le bango mabele na bango ba récupérer yango. Moni,
Bien que comment il boite, mais c'était ça le souci d'Israël, c'était ça le souhait d'Israël, nakata bitumbana. Bazalaki na posa ya défaite ya Goliath, puis bazalaki na posa ko récupérer territoire na bango. Goliath azo représenter l'ennemi, le diable qui régnait sur nous, qui dominait, omoni, qui dominait na bo pendant kota na profondeur place wana parce que ça les kambo to sito lobela ki, dans bo pendant kota na profondeur nakata place wana. Hein? Abandonnez coronier parce que n'oubliez pas que Babi Azalei coronier le colère à terre, s'il vous plaît. Nazongeli, 1 Samuel pour avoir beaucoup de précision. 1 Samuel parce que Soko Tangi Mabe, Orote Mabe. 1 Samuel chapitre 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Jida. Ils campaient entre Soko et Azek. Ok. Mabelo, bango bakende coronier le colère dans cette terre, ou est-ce que Bazalaki Wana? Et là qui a bangoté mais bango ba vandi wana ba s'imposer likolo na yango omoni ville wana se ba ndai ko s'imposer et représenter le peuple mobimba ya nzambe oyo munguna ayebaki na ko établir injustice na ye domination na ye likolo na biso omoni siko gola to ki noza ya bangoté ezo ko appartenir na Jida ezo ya bangoté c'est la appartenir à Jida n'oubliez pas Jida promesse et paix samaka, c'est un roi, c'est tout un roi, Jida, c'est un roi, c'est tout un roi. Or, le véritable Jida, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, cette ville qui appartenait à Jida, mais Goliath vient s'imposer sur cette ville. Omoni, a tché campement et place wana. Et au talisa, le peuple de Dieu, on a amé, dans l'ancienne alliance, a permis que l'ennemi, aïe banako régné, a dominé le peuple naïe, a imposé justice naïe. Nicolas Pepe nae. Mais gloire soit rendue à Dieu. Moutoko na kubunda nae azala kite. Mais David akoya akubunda nae akolonga e. Netant David akubunda nae akolonga nae cela veut dire justice etalisami. Jida récupérer ma belle nae. Vous voyez, Jida etalisami alongi Goliath pe Jida récupérer ma belle nae. C'était à la croix de Golgotha que le Seigneur avait combattu. Il avait vaincu le diable avec son injustice. Avec toute son armée, a dépouillé qui les autorités, les dominations, les livres publiquement un spectacle à la croix de Golgotha. Et le Seigneur qui est le véritable Jida avait récupéré sa terre. Oeza libota nae. Que le Seigneur nous bénisse. A récupéré qui biso, ne koulous oeza libota nae. Ok, gloire à Dieu. Nous avons remarqué que, pendant que Goliath abandonne qu'on régnait, vous remarquez que Basi Bayemba kite. C'est pour dire que pendant que Goliath a tombé là comme une injustice naïe, Basi Bayemba kite. Mais tant que David a koyeba na kolonga, ne Basi Bakoyemba, ne Esengweta Lissami. Et on te dit que l'éla ya Jean, c'était le plaire de l'humanité qui cherchait la justice de Dieu. Mais gloire à Dieu à la croix de Golgotha, quand le Seigneur avait vaincu, aujourd'hui nous chantons. Yango, il est interdit, il est strictement interdit de chanter pour un pasteur. Il est strictement interdit de chanter pour un homme à l'église. Il est strictement interdit de chanter pour un député à l'église. Voilà pourquoi les prédicateurs, les ministres doivent faire beaucoup trop d'attention. Yako bengaka ba député na chair na kat église, ou l'église li boso chair au PC micro, li boso ya chair, ayeba na kosala ba propagande na ye. Non, nous devons faire beaucoup trop d'attention. Israël, dans les déserts, a tonga tabernacle à l'aide de Dieu. Kakandenge bazala kiwana. Ministre de Dieu, soki nzamba benga yo nakata musala, ou bâtir musala, zana beaucoup de réserves. Ko copier batouté, pour un tel benga ki député, ngapena benga député. Pour un tel asala ki boye, ngapena sala boye. Nzambe oya benga yo na ministère. Azana makoki ya kopesa mbongo otonga église. Nzambe oyo abenga yo na ministère. Azana makoki ya kopesa yo mbongo somba instrument. Nzambe oyo abenga yo na ministère. Azana makoki ya kopesa mbongo somba bakiti. Nzambe oyo abenga yo na ministère. Azana makoki ya kopesa mbongo somba bachaise. Ezate akoza babia mukili. Okino kobenga un animal impire. O lekise likolo ya chair. Là où la prédication était à Maka. Là où le nom de Jésus est élevé, okay, au kamata un animal impire, ou yako benga e, nakate sikawana, po ayako sala propagande na e. Peuple de Dieu,
faisons beaucoup trop d'attention na kata makambwana na kenda kuna pona kulubaka kake tangu David alonga ki tomoni basi ba yemba ki basi bazo yemba kombo ya David na kombo ya Saul. David atiwe 10,000 Saul atiwe 1,000 David atiwe 10,000 donc c'est pour dire que bazo yemba kombo abatumi bale bazo yemba kombo anani bazo yemba kombo ya David bazo yemba kombo ya Saul. Or on a 1 Samuel chapitre 24 on peut remarquer tangu Saul alandaka David pona bundisa e David ya koloba 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 bi roi oyaki popo manga metala nzamba salaki bo abengi mon père David abenga ka Saul mon père tangu David asisi koloba na 1 Samuel 24 Saul parle bi c'est toi et c'est bien la voix de mon fils David abengi fils nae c'est pour dire que Saul azalaka père de David David azalaka fils de Saul c'est pour dire nakata loyembo ya basi baemba le nom du père baemba le nom du fils. Or quand on voit la père on voit la loi, quand on voit le fils on voit la grâce à la loi et au témoignage. C'est pour dire que nakata banzembo na biso toyemba kande makomi à la loi et au témoignage ya onde banzembo na biso que le Seigneur nous bénisse. Bref, nous chantons les vrais de la croix dans nos prédications. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous bénisse. Remarquez maintenant ce qui se passe. Tous les gens qui ont une ancienne alliance, tous les gens qui ont soif de justice, tous les gens qui ont soif de soif, voilà le Seigneur qui a aussi collaboré sur l'injustice. Mais attention, dans un aspect, mais les lots, l'injustice continue à régner. Tout le monde dit la bataille d'Armageddon, quand le Seigneur reviendra, nous avons aussi injustice. Nous avons établi Oyo et Zali, justice naé, na reine millénaire. Que le Seigneur soit loué. Mais les lots, nous avons aussi tout le monde qui a seulement la soif et la justice. Tout le monde a posé tout le monde à s'établir. Mais soif, tout le monde a groupé les lots. Tu veux dire que soit fallait bosser avec notre père, d'ici nous amener mais tu te retrouvais. Mais attention, tu retrouvais nos esprits ne retournaient. Mais pour ça peut-on comment nous macasser ou tout ça nous lélo et ça pour ça ce qu'il y a comment on aille. Moni, nous avons les soif, soif tout ça nous lélo et ça il y a comment on zambé. Soif tout ça nous lélo et ça il y a comment on zambé. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi dans nos ensembles lorsque nous chantons, tu aimes baga. Posa nanga na mona yoe posa nanga na mona Yesu pona kota kuna na mboka lola ngai nakutana na kolo Yesu susi nanga e mokilite o papa susi nanga e makapela o. Nous chantons comme ça parce que atanyo sokopé sanga na sia mabele na kozwa na ko voyager na ko bala na kozwa tout la sia mabele na kosomba mituka na kosoma mapangu na kosala boye. Mais au-delà de tout mon esprit a soif de voir Dieu, au-delà de tout ce que Dieu me donnera sur la terre moli monanga eza na posa ko mona Nzambe parce que ye a l'équipe biloko nyonso ya mokili na valeur soki oza na ye tia tout. Vous voyez, nos esprits ne tous alaka boye, soif tous alaka nangweza ya komona ye. Tous alaka na posa komona Nzambe. Le jour où nous les verrons, tous alaka ne sengo moko, oyo, ekouti kalaka jamais kosa la comparable. Tous yu mukanda ya Philippiens, chapitre, tous alaka mukanda Philippiens, yoka nenge frère Paul azoloba. Philippiens chapitre 1. Abanina verset 20. Philippiens chapitre 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est gain. Verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Ok. Verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ.
ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Dans le verset 23, le verset clé. Je suis pressé de deux côtés. Deux côtés, on a côté Nzambe, na mukili côté à peuple. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Vous voyez le désir? Au moins une soif. Soif yang. Abi, j'ai le désir de m'en aller. Donc, nazana soif yako kende. J'interprète ces désirs comme le soif. Nazana soif yako kende et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. C'est pour dire que kokende kokuta nana Christ. Eza malamu koleka. Verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, voilà verset 25. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Verset 26. Afin que par mon retour auprès de vous, vous voyez à moi un abondant sujet de vous glorifier à Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'attends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ok. Frère Paul Azolo Bake, pour ça, n'a pas désir, n'a pas besoin de Christ. Il y a Christ. Il y a malam. Koleka. Pour ça, na e, ezala ki akende, akende mona Christe. Ou eza malamu koleka. Mais, à cause na bino, cela veut dire, Paul, azo sepela nanu, donc, à cause ya peuple, ndazo linga vanda nanu, afin ki enseigne peuple, afin ki peuple akola, peuple atteigne bakamso, a maîtrise makamba Nzambe. Donc, pour ça, Paul tango azo na sa mukili oyo, eza pour ça ilande Nzambe. Elle pour ma mobilité, mais c'était pour servir Dieu. Mais alors, que désir n'angezana kende, soif n'angezana kende, c'est ça. Le désir d'un vrai enfant de Dieu. Moi, nzambe ya solo, azana posa à mon tata nae. Désir wana. Voilà pourquoi, dans une assemblée où vous priez, ceux qui battent à kabino posa ko mon nzambe te, battent à kabino ma nzambe te, sortez de cette église. Si dans l'ensemble où vous prêchez, on vous prêche que les choses de la terre, balaksabino makambali koloté, sortez de cette assemblée. C'est une assemblée terrestre, diabolique, charnelle. Biso to yibike to utaka makolo, to yaka na mabele, to kozongara makolo. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi lorsque nous chantons, to yimbarango. Awa namboka ya bapa ya bapa si elekiye kolo yeswe e. Ndeko nanga kanga se motema lobi na ndele toko zonga. To utaka quelque part. To yaka na sama bele. Nous travaillons. Mais un jour, notre pèlerinage, notre voyage sur la terre prendra fin. Nous retournerons. C'est ça le désir de tout un chrétien. Parce que Israël n'a qu'à l'Égypte. Quand il souffrait, leur désir, c'était de retourner dans leur terre, Cana. Moni, babanda ko désirer kozonga na Cana. Israël wana kat Égypte wana bazala ka peuple, image à peuple de Dieu aujourd'hui dans le monde. O toza ko gémir na ba passe no so mukili o sortir Israël na kat abutu ezala ka peuple image à l'événement pour retourner dans leur terre. Donc Israël gémissait bazala ki na posa kozonga na mabele na bango. Or notre terre c'est toute une personne. C'est le Seigneur Jésus. Donc notre soif aujourd'hui, ezande ya kozonga komona Nzambe. Notre soif otozana yango otozo ezotumba biso na kata mutema, c'est de le voir tel que il est. Que le Seigneur nous bénisse. Alors tant que komona e, nous ne manquerons de rien. Tozui mukanda ya cantique de cantique. Tozana mukanda ya cantique de cantique. Chapitre 2 verset 1 et verset 3. Cantique de Cantiques, chapitre 2, verset 3. Nous lisons. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Abi, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Ici, la femme compare son mari à un pommier. Pommier, les ânes étaient à pommes. Oui, botakaba fruit. Oui, bimisakambouma. Omoni. Ok, directement
bazo mona e comme un pommier au milieu des arbres de forêt. C'est pour dire que banzete za ebele, mais yé azala kanzeta milier. J'aime Jésus parce que il est toujours au milieu. C'est lui le véritable tabernacle où il y a na katikati ya peuple. C'est lui le véritable roi où il y a na katikati ya peuple. Parce que lorsque on cherchait Saïl, Azoki Basodane pour aller chercher David, mais bakoma quelque part, bakampa tout autour ya Saïl. Saïl est au milieu, le tabernacle est au milieu. Notre bien-aimé est l'homme du milieu. Il y a toujours un milieu. Que le Seigneur bénisse. Babi, azana milieu ya banzete. Mais nzete elingi kolobanin. Jérémie, chapitre 11. Verset 19. Jérémie, chapitre 11, verset 19. Il est écrit: j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Ici, Jérémie se compare à un arbre. C'est pour dire qu'un prophète, c'est un arbre. L'ité yanaye, fruit naye, ne l'ité yanaye, que le Seigneur le bénisse. Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, quel taux de raisins sur des épines, ou des figues sur les chardons. Tout arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Ici, le Seigneur compare un prophète à un arbre. Fruit naïe, nelité naïe. Si quand on a cantique de cantique, moi, si azolo ba mobal, naza pommier, c'est pour dire que son mari aussi, c'est un prophète. Son mari, c'est un prophète. Pomme naïe wana, mbouma oya botara, nelité ya, ne l'enseignement. Que le Seigneur bénisse. Dès l'enseignement, pour Oguama Sukalobi, Abi, et son fruit est doux à mon palais. C'est pour dire que Mboumanae, ou à Botakanakata, Mounogonata, on a lié à Kango, et Zalara Kitoko. Donc, moi, ça, c'est Pela Namboum, Mobalinae, Apesakae. C'est ça l'épouse du Seigneur, ou à Sepela Ranalitea, fruit doux au palais. C'est ça la prédication de la croix, c'est ça l'enseignement de la grâce. L'épouse du Seigneur à Sepela Ranalitea. Mais ce que mon imouto, c'est que l'analité a été comprendre qu'il y a l'épouse du Seigneur. Voilà pourquoi, dans d'autres occasions, il faut éviter la différence, il faut éviter le débat inutile. Ce que mon imouto, combattre l'évangile, comme tu m'as comprendre directement qu'il y a l'épouse du Seigneur. A tout forcer, na yo nenge nini, a koutika la kondimate. Il y a déjà qui cherchent des débats inutiles. A tout forcer, nenge nini, a koutika la kondimate, parce que a l'épouse du Seigneur. Il n'y a que l'épouse du Seigneur, n'a ko sepela na froui. Oyo, mobali, akope sa e. Or, les fruits, au pommier, azope sa, c'est ça la prédication de la croix, c'est ça la grâce. Que le Seigneur bénisse. Alors, bien, mon mari est comme un pommier au milieu des arbres. Si Jésus est un prophète comme arbre, c'est pour dire que les autres arbres là aussi sont des prophètes. Mais, babi, que Jésus a ça au milieu des arbres. Ah, c'est pour dire que lorsque nous lisons la Bible, tokomona banzete beli, Isaïe zanzete, Jérémie zanzete, Darie moko lobiango, Moïse nzete, Élie nzete, Élisée nzete, Jean-Baptiste nzete, tous ces mondes là sont des arbres, mais Jésus est l'arbre du milieu. C'est pour dire que autour de tous ces prophètes, c'est Jésus-Christ qui est l'arbre du milieu, c'est lui qu'il faut écouter. Même aujourd'hui, tous les prédicateurs, tous les ministres aussi, bazape banzete, mais attention, l'homme du milieu, c'est Jésus, c'est lui que nous écoutons. C'est pour dire que quand les prédicateurs prêchent, c'est pour dire que c'est lui le prophète majeur de notre temps. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir parlé à nos pères par plusieurs manières, par des prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par le Fils. C'est pour dire que les prophètes majeurs de notre temps, c'est Jésus. Les prophètes majeurs de tous les temps, ils ont la Christ. Même quand Moïse prophétisait en vérité, ce n'était pas lui qui parlait, c'est Christ qui parlait à lui. Donc c'est lui l'homme du milieu. Voilà pourquoi dans ta vie, il faut que Jésus soit au centre. Il faut que Jésus soit l'homme du milieu. Quand il y a l'homme du milieu, cela veut dire qu'il faut l'honorer. Quand il y a une décision, il y a les décis, il y a les devants. Vous voyez? Il faut laisser la place au Seigneur Jésus de régner dans ta vie. Parce que c'est l'homme du milieu. Parce que, où est-ce qu'il y a un milieu? Il y a un tabernacle. Tabernacle, il y a un milieu.
Quelle scène bénisse. Tabernacle, nda ça a milliers. Or, tabernacle, ça a milliers. Vous remarquez, dans Exode chapitre 25, verset 8, le Seigneur a dit, ils me feront sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et j'habiterai au milieu d'eux. C'est pour dire que nous avons bendé Azalaka, l'homme du milieu. 1 Samuel chapitre 26, verset 5. Alors David s'éleva, vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où se couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. Donc Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. C'est pour dire que les rois se placent au milieu. Voilà pourquoi dans notre vie, nous devons placer Jésus au milieu. Dans nos assemblées, nous devons placer Jésus au milieu. L'ité y a des anakatikati, mouta tombo amate. L'ité y a des anakatikati, mouta tombo amate. Dans les assemblées, il faut que Christ se soit placé au milieu. Que le Seigneur nous bénisse. Dans ta vie, il faut que Christ se soit placé au milieu. Et si quand au Christ se soit placé au milieu, tu as dit que la jamais que mon acquis y a pasteur, na moi si n'est pas tiens à l'iboso. Si tu vois dans une assemblée, na l'iboso, bah tu as acquis y a pasteur, na qui sa moi si n'est attention dans cette assemblée. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la parole qui doit être élevée au-dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Mais on peut remarquer awa, na cantique de cantique chapitre 2. Moi, c'est Azolo Bake, j'ai désiré. Hein? J'ai désiré, alors, Biboué. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Abi, j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Donc, Lélo, nous allons avoir tout le monde à ombre. Il y a Mobali. Attention. Na aussi une révélation à nous. Attention. L'arbre, Ndenga Zalagawana, moi, il bétier na l'icolo, n'a coupé sa ombre. Dans le sa ombre, nous devons dans sa ombre. Pour ombre, il faut le soleil aille dans le frapper. Nous devons faire le soleil. Or, c'est le psaume 84, verset 12. La Bible dit, verset 12, car l'éternel Dieu est un soleil, un bouclier. C'est pour dire que le soleil, c'est Dieu, c'est le Père. Nous étions, c'est le Fils. Oui, on dit, qui kanda ya moi, et qui talikolo nae. Cela veut dire, à la croix, Esaïe 53, la Bible dit, il a été frappé par Dieu. Kanda nzambe qui talikolo nae, ne ape sa biso ombre. C'est pour dire que l'arbre, c'est toute une ville de refuge. Au soro koti katina, le soleil ne te frappera pas. Mais si tu n'es pas dans cet ombrage, il y a soleil, il y a arbre, le soleil va te frapper. Soro lingo ki makanda ya moi, yaka na se ya ombrage ya pommier. Moi ya kobeto te. Mais li banda ya ombrage ya pommier, tu seras châtié par la colère du soleil. Ici, nous prenons le soleil, c'est Dieu. Tu peux s'écrire, le soleil, c'est Dieu. La chaleur du soleil, c'est la colère de Dieu. C'est pour dire que à la croix de Dieu, la croix de Golgotha, la colère de Dieu était tombée sur Jésus. Afin que, bisotoko tanakatia ombrage, oeza lelo, sécurité, oeza pelitea, to bata manakatiwana, pour lelo toza la frappete. Mais ce qu'oza libanda ya ombrage, tu seras frappé. Libanda ya Saint-Zéta pommier, tu seras frappé. Vous voyez, ok, Zabongo. Yango peut remarquer, Masua ya Noa, Nezwa Kambula, et si porté Kanda ya Mvula, mais Noé na Katskuna, abatte la main. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons, sur le plan, il y a révélation, aussi, tu vous allez déjà, na Katia ombrage, ensemble, avec les maris, wana, sur le plan, il y a révélation. Éphésiens chapitre 2, verset 6, je crois si je ne me trompe pas. Ok. Verset 5, voilà, verset 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a résisté ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le ombrage wana. Dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Attention, là, c'est sur le plan de la révélation. Mais sur le plan prophétique,
jusque là nos esprits ezana posa ya kokota esika yazali. Jusque là nos esprits a soif de les voir. Sur le plan spirituel nous sommes sauvés. Tosito bika to vanda na faire ombrage lié céleste l'itéa la protection la sécurité, oui c'est bien, mais nos esprits les lounde to zalaka boye to zalaka na posa ya komona ye. Donc soif na biso ezande to mona ye. C'est ça la soif de la Silamite. Abi, j'ai désiré m'asseoir sous son ombrage. Biso topona na biso ndewana. Biso topona na biso ndelitea. Topona na biso nde ombrage. Désir na biso nde yango wana. Yango mona mwana nzambe nyonso désir neza la kayo kalitea. Désir na ye. Poso komoni mouta vane na ndaku era litea na eglise koki avandeli TV. Soit vierge folle. Pour vierge folle, elle a un nez faible, elle a un nez charnel. Soit la vierge folle, soit fils de la perdition. Parce que moi, je suis un solo David à l'obi, je suis un nez faible, 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 je chaque fois pour ça moi nzambe za la rapé assemblée chaque fois pour ça moi nzambe za rendre à kende l'église mon ba soif za kata kata mundimi soif za kata mundimi za ke ayo qualité ya assemblée là à kende l'église à sangana na baninga mais so moni mutu ye pour ça na yeza la ka avant de ska ba débat inutile ba débat ya ba match ba débat makambuza ngatina. Donc lui il se plaît quand il est parmi les païens, comprendre qu'on a si la mitité. Comprendre. Donc, ils ont abattu Moussousou, ensemble, la ramène. Sauf qu'ils ont abattu frère, n'a sœur, ils ont mal à l'aise. Mais quand il se retrouve parmi les païens, il est très à l'aise. Sauf que, il y a des gens qui sont des animateurs principaux. Non, ça, ce n'est pas habitude. Il y a moins d'ensemble. Pour ça, il y a moins d'ensemble. Il y a une qualité. Ensemble, il y a un peu de l'ensemble. Mais quand il y a pour ça, il y a l'équipe. Il y a tout le monde. Tout le monde. Il y a des gens qui que le Seigneur bénisse. Tout le monde n'a rien d'engagé. Que le Seigneur bénisse. Il y a encore remarqué Rebecca. Bah, Pesselier déjà bloqué tout, bah, balayé déjà tout, 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 tout. Mais serviteur n'a que beau retardé voyage n'a pas été. Il faut n'attendre. Maman Rebecca, na grand frère Rebecca, bah, vite tout tout n'a rien mogo moisi. Ce qui a olobanin. Tant que bah tout Rebecca, Rebecca répondra vite naza na posa n'attendre. Posa kenda que ça n'a qu'une mona mobile n'aie. Omoni. Rebecca a une posa basi baba liye. Ce qu'on a avant de la nini yao. Posa Rebecca zalaki a kende kuta na Isaac. A kende kuta na mobali na e. Il y a des églises où on ne prêche pas l'alèvement. Omoni, bati a ka lèvement te. Nye tia mouna mouté mousou na te. Vada pe koni an ase da televizyon azo te. Ago webe sa gana te a lèvement na te a lèvement. Na kote l'alèvement ni. Pwene kote a lèvement. Ata na te a lèvement te. Yeso kwe yagaga. Hein? T'as la marque à type à serviteur. T'as la type à serviteur. Ça, c'est un serviteur diabolique. C'est un serviteur du diable. Regardez les serviteurs les plus anciens. Quand ils prêchaient son désir. Abi, ne retardez pas mon voyage. Son désir, c'était de retourner vers son maître. C'est pour dire que les serviteurs les plus anciens, son désir, c'était de retourner vers le maître. Omoni? La femme aussi, son désir, c'était de retourner vers le maître. Namotei, namoa si posera bango ba zonga ba kine mona maître. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'église, kobandana batei, kobandana peuple, faut tous ana posa kobe mona. Mais son moni église, motei a terre batuka makamba nzoto, a terre makamba likolote, comprendre que motei wana faut kotale malam. Faut kotale la motei wana malam. Banda banda ki a te binoka ba soulié na ye. Ate abinoka basulie na ye. Oh, j'étais à Paris. J'avais mangé la pomme avec Obama. Nazalaki na Donald Trump. Omoninga na kendaki Chine. Et talibisote. Eza malam. Eza mabete. Gloire soit randa die parce que nzamba salingolu. O voyage nzamba salingolu. O kutana bo. Eza nango mabete. Eza malam. Mais nous, montre-nous les pères. Cela nous suffit. La chair. Ce que vous mettez le soir, ma solo ba Donald Trump. C'est là ce qui le semble silly. Tant que vous vendez dans la C, nous expliquons ce papa. Au moins à Paris, à Kouéwana, à Ndezalakaboué. Mais, tant que vous allez coller cher, parlez-nous de Jésus.
Mes frères, ne blaguez pas avec l'évangile, parce que l'évangile que nous prêchons, Jésus avait versé son sang pour cet évangile. L'évangile que nous prêchons, les apôtres, pour cet évangile. Alors nous ne pouvons pas blaguer avec l'évangile. Quand Paul prêchait, l'auteur de l'épître de Brazo, l'auteur a dit, le temps me manquerait de parler de, au moins, maintenant, mouton, matin, à l'ITEA, banda, matin, à l'ITEA, à zui, inerya, ma solo, na, ma solo. Abetil, sola, libosso, silici. Abetil, sola, bala, silici. Abetil, comprendre que moutouana, soit abenga ma dévié, comprendre que azara, conseil, en mette, abenga mate. Parce que un vrai ministre, quand il prêche, a coquille jamais qu'aux anga mate, à côté. Parce que quand il ouvre sa bouche pour parler, nzamba kotia malobana kata, mounokonae. Mais quand un prédicateur, a matin, a cher, pas beta, kama solo, bambongo, na ye, en tout cas, Keba na moulimo na yot. Que le Seigneur nous bénisse. Keba na moulimo na. Donc, souci à Rebecca, Ezalaki, Amona Mobali. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Omoni. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Que le Seigneur nous bénisse. Toujours expliquer. Ok, tout ce que ça, mukanda ya Apocalypse, Bible Zoloba, Bible Lobby, s'il vous plaît. Bolimbi si tu changes, téléphone, parce que on a besoin de charger s'il tu veux continuer na téléphone. Oh, les gars même l'été à quel est le bénis. Courant, courant, nous allons sortir en tout cas. Bolimbi ça veut pour na yango. Ok, Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. C'est pour dire que awa na Apocalypse batale sabiso na esprit na moi si bazoloba viens. Na linga ordre nzambe il fallait lo banano et l'épouse et l'esprit disent balobi que et l'esprit et l'épouse disent viens. Or quand on voit l'épouse les peuple nzambe c'est l'église. Mais quand on voit l'esprit esprit ne azanin. Ok, tous les gens Apocalypse, tu expliquer esprit. Tous les gens Apocalypse pour tu expliquer esprit. Ok, tous les gens ya Apocalypse pour. Ok, dans Apocalypse chapitre 2, verset 29. Apocalypse 2, 29. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'esprit dit aux églises. Ah. Kuna batem su sobabi que et l'esprit et l'épouse disent viens. Donc, tu expliquer, tu as que la femme, l'épouse là, or l'épouse, c'est à moi sur babali. L'épouse, c'est à moi sur babali. Oh, bah, son bi, bah, pèse l'imbongo. Tout on dit ma que l'épouse, c'est l'église. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus. A balabiso, ne koulousou. Mbongo a pesaka dara makila. Makila sopaka wana dot mobimba. Oya pesaka po aba la biso. Que le Seigneur nous bénisse. Makila sopa. Eza dot oya bale la biso. Mais akenda ki. Tozana beto yebike. Un jour d'arzonga. Mais si ko a bazolo baboye. Et l'épouse. Babi et l'église. Et l'esprit. Et l'épouse disent viens. Omona. Balobi viens. Et l'esprit et l'épouse, tu expliques déjà l'épouse comme l'église. L'esprit, si quoi, dans Apocalypse 2, 29, balobi, que celui qui a des oreilles attend ce que l'esprit dit aux églises. Ah, tu comprends que tu as sept églises, mais un seul esprit né à Zolo, Banakata, l'église, Samboana. Voilà pourquoi, Bato, Balobara, que oh, bon, que Dieu leur pardonne, que Dieu leur pardonne, surtout, tu es bien. Cette église d'Asie mineure, et zara na moli moko, nda zolo banakata cette église wana, cette église, mais moli moka moko, nda lo baranakati. Yango moni yo, premier temps, et zala ki soki temps ya Paul, deuxième temps soki ya Irene, troisième temps soki pe ya nani, quatrième temps soki ya nani, na tango asuka awa nde, toye to moni soki pe, moutu moko bazana na kintuki, ndeko bazana na kintuki, bache na photo, na colonne moko bimaka, lukula moutu na e, ça c'est un enseignement diabolique, satanique, qui vient de l'enfer. Soko ki li te awana, ou kende li felu. Po soko tu ni Paul li kambwana, ye mwa roboya na yango. Surtout ni Paul, à Boyango,
akotika la ndima ngote andima lite wana te popola zolo baboye atang biso moko ata un ange du seigneur soka te bino un autre évangile natanya ngonan un corinthien tozana mukanda un corinthien chapitre 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné tout, je l'avais reçu par Jésus-Christ pour nos péchés, et selon, ok. Paul a teiboué. Mais qu'est-ce que Paul avait prêché? Selon l'a dit Paul. Paul m'tate biso makama 5 ministères. Il m'tate biso que les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes. Paul m'tate biso que mouli mozala ka moko be ba diversité makabo za la ke belé belé belé. En disant ceci, Paul atika la jamais commis chez le ko la ce qui peut apôtre majeur. Paul atika la ko tia ngote. Ah, atika la ko mitcha place wana te. Comprendre ka so moni muntu to bibenga ke za prophète majeur, apôtre majeur. Docteur majeur, qu'on ne musicate comprendre que wana musali ya satana. Qu'on ne musicate. So mutu moko lingi ko se ça c'est l'esprit de Goliath hein. Ko linga ko se démarquer des autres, au mimo na spécial que yonoza grand. Ça c'est l'esprit diabolique, c'est l'esprit de Goliath. Parce que tant bazala ki na nzela, Goliath voulait toujours se démarquer des autres, ba mona ende grand, c'est l'esprit de diable, l'esprit diabolique. Un serviteur de Dieu cherche l'humilité. Jésus avait dit quand vous prêcherez que nous sommes des services, des serviteurs inutiles. J'aime Jésus. Quand il entre dans la maison, il est qui était à Zulip, à Bouki, tant qu'il comprendre que ça est à Limoué. Or, Jésus, c'est un ministre. C'est pour dire que lorsqu'un ministre prend le pain à Bouki, c'est ça interpréter. Quand il interprète, le peuple se font mon Nzambe, le ministre doit disparaître. C'est la vie fois que la Kembozonga Panzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Babi que. Que celui qui a des oreilles attendent ce que l'esprit dit aux églises. Il avait cette église, mais un seul esprit. Cette église. Donc, on remarquait dans l'ombre, j'ai trois ranabas, combien? Sept. Mais il avait qu'un seul Moïse, Ndazo Melissa, cette femme. C'est pour dire que Moïse, dans l'ombre, a une image à esprit. Vous voyez? A ton moni 100 millions de ministres. Mais il n'y a pas que tous les 100 millions de ministres, ils ont un esprit. La raison pour laquelle. Tokoki jamais qu'on s'est contredit dans la prédication. L'ité terme à Paris, il y a un terme en Allemagne. L'ité terme en Allemagne, il y a un Israël. L'ité terme en Israël, il y a un terme en RDC. Il y a un terme en Rwanda, il y a un terme en Luanda, il y a un terme en Ouganda, il y a un terme en Afrique du Sud, il y a un terme en Éthiopie, en Australie, partout dans le monde parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Mais attention, les divergences, c'est ce qu'on a dit, les frères Paul à l'objet. Les divergences, c'est ce qu'on a dit. Mais. Le roi de Zabana, Tata Moko, frère Paul, nous marchons ensemble jusqu'à ce que l'esprit nous éclairera. Nous avons compris que l'esprit, quand on parle de l'esprit, on voit les ministères. Tolobaka qui est le ministère de la Ramoutouté, le ministère de la Nzambe Nakatia Batu, le ministère de la parole de la Nzambe Nakatia Moutou. Que le Seigneur nous bénisse. Ce temps, on que l'esprit dit, et quand on dit que l'esprit et l'épouse disent, viens, c'est pour dire que l'esprit soif naïe. C'est ça qui m'a dit. Moi, si je peux ça, c'est ça qui c'est ça, tout le monde a les serviteurs les plus anciens, ils représentent le ministère de la parole. Pour ça, c'est ça qui est pour ça, moi, si je peux ça, c'est pour dire que le ministère a le but, il y a un pour ça, il y a un abattu. Pour ça, il y a un ministre, il y a un zonga. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ça, il y a moi, si. Et la caille soit à Kuzonga. Que le Seigneur nous bénisse. Pour tant que nous avons fini notre marche. Que le Seigneur nous bénisse. Pour les serviteurs les plus anciens, nous avons une couleur rebellée. Mais nous avons une couleur rebellée. Parce qu'il y a une bande qui est à Rebecca. Nous avons une couleur rebellée. Il y a une bande qui est à Rebecca. Il y a une famille qui est à Abi. Patron qui est à Abraham Tindingaï. Na kulukela mwasi na mwana na ye mwasi na ye mwana na mwasi abandiko expliquer Isaac aza héritier Isaac babota ye Sara bota ye na vieillesse Isaac akozwa biloko nyoso ya tata moni azuwa zoko expliquer
atikala komiro bilatee bondo moninga na zale septel plus ancien ngande la simba kadute aya banda ko lobende Isaac voilà pourquoi un prédicateur ko comité ya te o moni sulie na ngao na lataka soki na pêche yo te kango bandi commerce tie na ventirie o moni veste na ngao na lataka oyu na somba kango soki place tel to sana moni o moni ndaku na ngao na tonga soki na makampa te papa on n'a pas besoin de soi montre nous Isaac parle nous d'Isaac parle nous de Jésus montre nous Jésus que le Seigneur nous bénisse. Pour ça, na yé le certain le plus ancien, na pour ça y a moi si, et zala ki ba mon na mobali. Tant que batouni Rebecca, o lobinin, rebabite, pour ça nanga, et zana kende. Ah, mwen ba kanga y zala ki te, batika ki ye, a kenda ki, kele sen le bénisse. Donc, pour ça na biso lelo, et zali, to mon na mobali. To yébi ke sur le plan spirituel, nous sommes déjà sauvés. Jésus nous avait sauvés sur la croix de Golgotha. Si le plan spirituel nous sommes déjà sauvés, nous avons un peu de temps. Quand nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps tel qu'il est. Nous avons un peu de temps. 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 Vanda et Sika Moko. Et nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Mais nous avons un peu de temps. 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 Donc, il est en ordre, Apocalypse, chapitre 7, verset 13, Tokiti. Apocalypse, chapitre 7, Tobandi, na verset 13. Elle devient que la parole me dit, ceux qui sont revêtus de longues branches, qui sont-ils ou d'où vient-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Bato bazo lobela awa, baza bato baza na nzoto te, baza bato bato na grande tribulation, bakufa ki ba revenir na vie, po bato bato na grande tribulation, bakufa ki ba revenir na vie. Donc, si vous avez Apocalypse 7, vous avez le 4000 membres, et vous avez la Vierge folle. Vous avez dit que vous avez la grande tribulation, vous avez la nation, verset 9, Apocalypse 7, 9. Pour 4000 membres, vous avez la verset 8. On a 4000 membres au Bakubika après la prédication des témoins à Israël. Verset 9. Après cela, j'ai regardé, voici, il avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et de palmiers dans leurs mains. Ça, c'est la Vierge folle. Ouais, Tikalat. C'est pour dire que l'Apocalypse 7, tous en a 4000 membres au Bakubika après la prédication des témoins, tous appelés la Vierge folle. Ouais, Tikalat, qui est dans Matthieu 25. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour dire que Bango peut pas revenir na vie. Na simbi Apocalypse 7. Naza par rapport à Apocalypse 7. Na simbi là où nous soutenons Apocalypse chapitre 7. Je sais pourquoi j'ai dit cela. Que le Seigneur nous bénisse. Naza na Apocalypse chapitre 7. To simbi les 144,000 membres na Vierge folle ou bako revenir na vie. Ne bilobi que ils n'auront plus soif. C'est pour dire que Tango bangope après l'enlèvement de l'église milimo na bango ozana posa komona nzambe milimo na bango ozana posa parce que à cause à torture à cause ya basi oy kozana tango na parce que le Seigneur le dit que passe ya bongo tikala kozala te ils pleureront ba kozana posa komona nzambe na tango wana na grande tribulation ils auront soif de Dieu na tango wana mais après koboma bango après résurrection quand ils ressusciteront Barosa sou na nzalate, barosa sou na soifte. C'est pour dire que pour ça, ou barosa la nango,
et que vous allez susciter ces jours-là parce que bakomona est mais biso déjà na enlèvement de l'église to komona déjà soif na biso aussi là mais baoba kotika la wana bakoza na posa komona est parce que bakonyoko la bango bakoboma bango mais suka suka bakoyeba na komona est que le Seigneur nous bénisse ah ya onto yembaka posa na ngana mona Yesu eh posa na ngana mona Yesu eh pona kota kuna namboka lola Naina kutana na kolo Yesu Susi na ngae, susi na ngae Susi na ngae, Amerika teo papa Susi na ngae na mona Yesu Hallelujah Susi na ngae makapela Ilanga bala ya masomba na mbongo papa Oza monze mbao kokota teo Kuna utu wakota unaka ba marie Mwasi na mubali Donc, si vous êtes célibataire, vous êtes même dans l'Arche à Noé, si vous êtes célibataire, vous êtes côté. Moi, c'est dans mon bal. Moi, c'est un peuple, mon bal est à l'Itéa. Donc, vous êtes non en zot, vous êtes marié, mais vous êtes célibataire, vous êtes l'Itéa, vous êtes célibataire. C'est pour dire que pourquoi vous êtes marié, vous êtes à l'Itéa, mon bal est à l'Itéa, vous êtes côté. Kuna bakunda, mama Sarah, Kuna bakunda, papa Abraham, Ilanga ba marie ngana mona yo ozamo nzemba okokota teo notre soif c'est de voir Dieu les jours où tokomona ye la Bible dit il essuiera les larmes de nos yeux aujourd'hui nous pleurons mon frère ma sœur ozana posa loza célibataire ozana posa bala tango ko bala yeba ke ba posa ko silate posa msusu ko ya c'est pour dire que ato bali posa msusu ko ya obali okumi na posa mwana mwana e tamsu mwana zo lobate tamsu mwana zo mwana te tamsu mwana otambola te komitungisa te nzambo apesa pio mbonga libala okubota nzambo apesho bana ata mwana zo lobate ata nite mwana komona mwana kubika mwana okende liboso c'est pour dire que sur la terre tokuzagara ba posa ka multiple kotangisa bana kukende posa na somba lupangu posa na zabo ba posa sur la terre aussi la gate ba posa ko zala ka bele na sama bele mais le jour où to komona ka ye ba posa biloko no sote ko sila parce que le Seigneur Jésus sa présence c'est une réponse na ba besoin na biso nyoso la présence de Dieu ezala ka résoudre solution na biso nyoso oko senga nzambe le tout ce que tu peux demander à Dieu Dieu va te donner mais tu auras toujours des besoins ba besoin et aussi la raté ba besoin ko zalaka kaka et ko zalaka kaka ne ti tu biso na kongwa o zana oza so ki pe lo katé nzamba oza posa oso malopango nzamba ko peso mbongo oso malopango metango ko manaka talopango wana ye ba pe ba posa ko yaka kaka et aussi la raté oza ki piaton nzamba pesho a pesho mutuka mutuka wana ko senga karbira mutuka na pine ko toboka mutuka ne ko senga boye e ko ki ko sala boye ko sala sida e ko sala boye ba posa ko zalaka kaka mais le jour où nous verrons le Seigneur ba posa na biso na sote ko sila parce que Jésus est la réponse à tous nos besoins. Jésus est la solution à tous nos problèmes. J'aime un artiste, une chanson, un artiste avait chanté na lingaka nzembwana ayemba lobi Jésus est la solution à tous nos problèmes. Mais oui, il est la solution à tous nos problèmes. Quelle que soit la taille de ton problème, Jésus est la solution. Que ta confiance soit placée en Jésus. Quelles que soient les difficultés, place ta confiance à Jésus. Quelles que soient les difficultés, place ta confiance à Jésus. Problème, mon côté à vie est plus grand que Jésus. Mais il y a pas que problème aux gens lelo. Jésus a résoudre yango. Mais après problème, on a problème sur ce qu'il y a. Jésus a résoudre yango. Après problème, on a problème sur ce qu'il y a. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Mais mukolo otoko monaka ye ne ba problème ne ko sila. Oyé ba suma kamba délestage à courante, oyé ba suma kamba ko somba carburante, oyé ba suma kamba ko wela métro té, oyé la suma kamba soki ya nini té parce que lorsque toko monaka ye nyose ko sala nini e ko sila. Akopangusa pisoli ya maya misu na biso. Jeune prix Kende l'église, tant il le verra, tu seras récompensé. La présence de Dieu, c'est
toute une récompense. La présence de Dieu, c'est tout un salaire. Donc nous sommes na ekakawana parce que Jésus-Christ est plus que l'or. Jésus-Christ est plus que les diamants. Batoyo bazwa ngolu onzambe apparaîtra ba monaye ponga na zonde matilelo. Dieu apparaît. Sera ce pli ko bimela yo a ko bimela yo tuna baton nzamba sala ka grâce ba bimé o ba mona popo la mona et Pierre a mona et babia après sa mort apparaîtra qui n'a plus de 500 frères à la fois bato bazo ngolu et que nzamba bimela bango ba mona ye tuna bango poso ba mona ka ba ko que posa mokili et si la bango a deux fois ça m'arrive quand j'ai pris na matin à dimanche mon na dimanche mon boye na mona ka même ba posa nyo sa mokili sili. Même pour ça qu'on le baise à la soute, pour ça qu'on a la TV à la soute, hein? Pour ça qu'on vend, surtout sans bien la l'homme marque. Donc, aux autres, gumo sur le monde, la gata présence en zamo, bon de comment, aux autres, gumo, on a gata prière, on a moukili, on a comprendre en haute, on a avant goût. Mais le jour où nous les verrons tel qu'il est, nous serons consolés, nous serons bénis. Laisse que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ma numéro de M. Zali, plus 243-89-860-88-75. Plus 243-89-88-77-333. Ceux qui m'ont tourné Zali, vous tournez biso, vous commettez les biso. Tout le monde va répondre par rapport à la réalité de la vie. Il y a un peu de temps.